Au Microsoft Innovation Center Brussels, nous avons lancé une nouvelle initiative de sensibilisation des enfants à la programmation. Nous organisons dans ce cadre des sessions d'initiation au CODU pour des écoles de primaire en région bruxelloise. Donc le CODU, qu'est-ce que c'est? C'est une manière simple, ludique, de faire découvrir aux enfants la programmation. C'est donc un langage simple à partir de pictogrammes. Donc il n'y a pas une seule ligne de code, mais il y a des images. Et donc ils retrouvent en même temps toute la logique de la programmation où par exemple une action va conditionner une autre. D'habitude je joue à l'internet, mais maintenant c'était créer quelque chose. C'est comme si on inventait un jeu. Dans notre monde aujourd'hui, la programmation est devenue une compétence absolument importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a du logiciel partout. C'est ce qui pilote nos entreprises, c'est ce qui pilote nos élections, c'est ce qui pilote la manière dont nous travaillons dans notre vie quotidienne et la manière dont nous interagissons, dont nous restons en contact avec notre famille, avec nos parents, avec nos amis. Et donc, dans notre monde, la capacité de pouvoir écrire du code, la capacité de pouvoir programmer, c'est quelque chose qui est aussi fondamental que le fait de savoir lire, de savoir écrire ou de savoir calculer. La programmation, c'est quoi? C'est l'éducation au numérique. Et l'éducation au numérique, c'est vraiment un enjeu phare de l'école du XXIe siècle. On constate aujourd'hui qu'encore beaucoup d'enfants jeunes et même moins jeunes, adultes, ont de grosses lacunes au niveau de la culture numérique. La programmation, comme ce qui est fait aujourd'hui, c'est une dimension supplémentaire, si vous voulez, de ces compétences numériques. Ça permet de passer du statut de simple consommateur, certes critique, averti, mais qui reste consommateur, à celui vraiment d'acteur, de concepteur, de créateur, puisque l'enfant ici, les enfants apprennent vraiment à créer leurs propres règles de jeu, et donc ils ont une plus grande maîtrise de leur environnement, et ça leur permet de mieux comprendre comment fonctionnent ces technologies de l'information et la communication qui sont omniprésentes dans leur vie. Ce qui m'a plu dans le CODU, c'est que tu es libre, tu fais ce que tu veux. On ne s'intéresse plus à comprendre comment fonctionne la science informatique et à tirer profit de l'apprentissage, de la programmation, de l'algorithmique, de la conception, pour pouvoir en faire un véritable sujet d'apprentissage et un véritable sujet de développement de l'esprit humain. Or, ces outils recèlent des potentiels extraordinaires qui consistent justement non pas à faire, mais à faire les choses. Et ce faisant, à modéliser, à concevoir, à abstraire et à découvrir par là vraiment beaucoup de richesses dont nous aurons besoin dans les années futures. Même que j'ai même envie de le télécharger, l'application sur mon ordinateur.